présidente, bonsoir à tous. Voilà, c'est la dernière soirée avant Mika qui nous fera danser. Alors ce soir, on va vous présenter le final qui est Jeanne d'Arc, qui va être jouée par tous les comédiens qui ont participé à cette édition. Se sont ajoutés d'autres comédiens qui sont venus exprès, tous les musiciens. Enfin voilà, j'ai réuni à peu près tout le monde parce que c'est ça qui est sympa, c'est de faire en quelques jours quelque chose d'improbable. Voilà, et là ce soir c'est Jeanne d'Arc, et c'est Jeanne d'Arc de Joseph Delteil, que j'ai découvert grâce à Denis, qui est un auteur de Carcassonne, qui a été violemment chassé par André Breton de chez les surréalistes sur la première vague de surréalisme en 1925. Il a eu le prix Femina pour ce texte et il s'est fait virer. Il est reparti à Carcassonne et il a continué à vivre jusqu'à la fin de sa vie tranquillement en écrivant du côté de Limoux. Voilà, donc je vous remercie d'éteindre vos téléphones portables et puis je vous remercie d'être tous là et toutes là et à tout à l'heure. Au revoir. Naissance.
l'assistance, le centre de son corps, une poussette. La première dent apparaît. Jeanne est toute fiévreuse et les vers la travaillent. Elle fait liquide. Ses paupières se violacent, les gencives éclatent. La première dent. Oui, c'est une date dans l'histoire de l'homme. La dent imprime à la vie son sens véritable. La dent signifie lutte, parce qu'elle signifie manger. Le fondement de la vie est la nourriture. Et le fondement de la nourriture est la lutte. La dent est à l'origine de la guerre et de la prostitution, du mal et de la mort. Première dent. Ah, comme tu m'apparais chose grave. Et comme cette mère a raison de te considérer avec beaucoup d'attendrissement et avec un peu d'effroi. Mais déjà, tu gazouilles, chérie, dans un grand déluge labial. Ta langue et ton larynx prennent consistance. Et je
je ne sais rien de plus difficile, enfant, que de s'exprimer. Le verbe est en toi, et le verbe s'est fait chair. Et ta chair s'est faite verbe. Jeanne a 12 ans. Cette petite Lorraine rouge, aux yeux verts de rein, à la bouche lie de vin, et de grands cheveux carottes sur la nuque. Jeanne est une grande paysanne de France, pétrie de chair et de Dieu. Santé, bon sens, la peau grasse et assez d'esprit. Elle est sale et fraîche comme les poires piquées de fientes d'oiseaux. La famille d'Arc est à table. En Lorraine, l'alimentation est une chose simple et rude. À la base, il y a les pommes de terre et les pommes en l'air. Quelle pitié de voir les poètes dépenser leur éloquence dans les éloges funèbres. Au lieu de chanter les vertus des chairs vives et par exemple de prononcer l'éloge de la pomme. Jeanne assure le service. La soupière fume. Le repas fini, Jeanne sort. Elle va abreuver les vaches. Jeanne s'étend dans l'herbe et de tout son corps prend le contact de la terre. Le ventre contre l'humus, elle est étendue dans un abandon qui confine à l'emmêlement. Elle s'incorpore à demi au texte même de l'univers. Indiciblement heureuse, elle suce une tige d'avoine. Elle est tout à peine désir et don. Et tous les pores de sa peau, toutes les issues de son corps semblent immensément ouverts vers le mystère de la vie. Le traité de Troyes avait, en 1420, livré la France aux Anglais. Henri V d'Angleterre, reconnu par le duc de Bourgogne, était le véritable roi de France. L'autre, le dauphin Charles de Valois, prince faible et indécis, désespérant de l'avenir, vivotait sur les bords de la Loire. Il n'avait guère pour lui que son bon droit tout nu et quelques filles des champs, la justice et Jeanne d'Arc. Toute la vallée de la Meuse autour de Domrémy était divisée entre les deux parties de France et de Bourgogne. Chaque ville, chaque village choisissait en conscience son seigneur et sa foi. Entre localités rivales, la guerre sévissait à l'état endémique. Ceux de Domrémy étaient français, ceux de Marseille, le village voisin, étaient bourguignons. L'ennemi n'était pas un mythe, une cause lointaine, c'était une réalité physique. Pour Domrémy, l'ennemi, c'était Marseille. Le soir, à la veillée, dans l'exagération des grandes flammes, on racontait les scènes de pillage, les villages brûlés, les églises détruites. Jeanne, chaque soir, écoutait âprement ces récits. Elle broyait entre ses dents le nom de Marseille, Marseille, Marseille. Au coin du feu, Jeanne éclata en sanglots. On lui demanda, « Pourquoi pleures-tu ? » ?»« Parce que j'aime le roi !» Jeanne gardait les vaches dans la prairie. Étendue sur le dos, à l'ombre d'un mirabellier. On était au mois de juin 1924. L'air était chaud et il y avait tant de verdure au monde qu'on en avait la peau verte. Jeanne, les yeux mi-clos, regardait mûrir les mirabelles. Tout à coup, du haut du firmament, une femme se mit à descendre, de nuage en nuage, surgit du vent et de l'espace, formée de vapeurs et de rêves. Elle glissait comme ça vers Jeanne. Elle se posa au-dessus de Jeanne sur le mirabellier.
l'âme se frottait les yeux, le cœur battant, la langue sèche. Elle a déjeuné la veille et ses sens étaient affaiblis. Et puis, depuis quelque temps, elle était prise d'épuisement. Elle avait 13 ans et les phénomènes de la puberté travaillent sa chair à son insu. Mais l'apparition d'une voix rose et jeune disait: Jeanne, ne crains rien. Dieu t'a élue parmi les fleurs du monde. Et voici qu'il t'envoie ses filles. Jeanne s'agenouilla devant le mirabellier et sans un mot, elle regarda la dame. Sois sage et forte, Jeanne. Et aime le roi. Jeanne tressaillit. Aimez le roi! Aimez le roi! Je ne suis qu'une pauvre fille. Je garde mes vaches dans les prés et je tis mon chapelet sur la terre. Madame, je suis votre servante. Lève-toi, Jeanne. Donne-moi la main. Dieu m'envoie pour te donner des conseils. Et des mirabelles. Prends et mange, car le fruit de l'arbre est le signe de la vie. Viens, je suis Sainte Catherine, et voici mon amie, Sainte Marguerite. Jeanne se leva, elle tendit ses mains saintes, elle n'avait plus peur, elle considérait les dames tranquillement. Elle ressemblait à ses copies de Don Rémy. Bah, maintenant, elle lui caressait les cheveux avec leurs bons doigts en riant comme des violons. Et dans sa chevelure, Jeanne entendait la musique du ciel. J'irai chercher en courant du jambon et des œufs et...
Peut-être une goutte de vin? Je ne veux ni vin ni chair, mais j'aime le lait. Et les cœurs sains. Jeanne, Dieu te commande d'être une femme de guerre et de commander aux soldats. Mais je ne connais pas les soldats, Catherine, et j'en ai une grande peur. Jeanne, Dieu t'enlèvera toute peur. Il te donnera un gros cheval de bataille et t'enverra contre les Anglais. Mais je ne connais pas les Anglais, Catherine. Mais il me semble qu'ils me feront des misères. Jeanne, Jeanne, ne crains jamais les Anglais. Tu les tailleras en menus morceaux et tu en feras une grande déconfiture. À la folie. Ouais, du tout. À la folie. À la folie. À la folie, ma À la folie. 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 Elle l'embrassait et Catherine, lui prenant la main, lui mit au doigt un anneau de fer étrange et nu en disant « Jeanne, voici l'anneau de la France. » Puis les trois se promenèrent enlacés dans la prairie, si belle, si fraîche, si pure qu'on ne savait plus, qui était Jeanne, qui était Catherine, qui était Marguerite. Jeanne, Dieu te commande d'aller au secours du royaume de France. Je ne sais ni lire ni écrire. Je ne saurais chevaucher ni conduire les hommes d'armes. Jeanne, 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 ne doute jamais de rien. Seul tout est funeste et seule l'audace est grande. La foi, voilà la première des vertus. C'est un jour d'audace que Dieu créa le monde. Les grandes heures sont à base de passion et d'amour. De passion et d'amour. Par-dessus le ciel et dans la terre. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Et soudain, elle songe au roi. Le roi, jeune personnage de cœur. Pourquoi pleures-tu, Jeanne? Parce que j'aime le roi. Le roi. Les saintes ordonnent. Le prince, débile,
obstination, sans foi, pleutre, doutant de tout et en proie à ses conseillers, à sa cour. La cour était divisée. Jeanne avait pour elle les deux reines, avec le parti de Lorraine. Mais le conseil de tendance bretonne craignait une mauvaise aventure. Peut-être était-ce une sorcière. Il y avait un moyen sûr de vérifier le satanisme de Jeanne. Il était admis que la virginité formait un talisman contre le démon. Le diable n'avait aucune prise sur une pucelle. On décida d'envoyer une commission examiner la jeune fille le 8 mars par trois grandes dames de la cour. L'opération fut entièrement concluante. Il fallut rendre hommage à la vérité. Oh, tu crois que c'était une vraie et entière pucelle sans corruption ni violence? De tout quoi, on dressa un authentique procès-verbal. Chevalier afin de dépister la pucelle. Elle s'avançait avec assurance vers le roi, comme une force de la nature. Elle regardait en face ce prince pour qui son cœur battait tant de battements. Toute souriante, elle s'agenouilla devant lui. Gentil dauphin! Le roi, faisant les gros yeux. Il y a erreur, bel enfant. Je ne suis pas le roi. Le voici, là-bas. Sans blague, je ne sais ni A, ni B. Mais on ne leurre pas Dieu. Gentil dauphin, j'ai nom Jeanne la Pucelle. Et demande, par le roi des cieux, par moi, que tu recevras ton sac et ta couronne dans la ville de Reims. Puis, elle ôta son anneau de fer, don de Sainte-Catherine, et le passa vivement au doigt du dauphin. Charles pâlit comme un violon jaune.
C'était l'anneau qu'il avait égaré à Bourges, dans le lit d'Agnès Sorel. Il prit les mains de Jeanne et l'entraîna à l'écart. Non, non, tu n'es pas un bâtard. Charles était faible, mais crédule. Et c'est la crédulité de Charles qui permit Jeanne d'Arc. D'une façon superstitieuse, j'en conviens, mais quoi? L'essentiel, c'est le fait. Avec un Louis XI, la face du monde aurait changé. Prête, Jeanne se rendit à Blois avec ses compagnons d'armes, les deux maréchaux de Retz et de Sainte-Sévère, l'amiral Louis de Culan, Ambroise de Loré, la Hire, Regnault de Chartres, archevêque de Reims et chancelier de France organisaient l'expédition. Cette armée de Charles VII. Servant tour à tour la France, la Bourgogne, l'Angleterre, ne vivant que du pillage, ne connaissait ni discipline ni religion. D'ailleurs, toute cette époque est foncièrement dépravée. Avec une certaine puissance dans la dépravation. Ce n'est pas du vice, mais plutôt une licence universelle. L'ouverture à deux matins de toutes les formes de plaisir. Ce fut le premier soin de Jeanne de purifier l'armée française. Empereur ! Le camp tout entier n'est qu'un lieu de débauche, un mauvais lieu. Un mauvais lieu. Un mauvais lieu. Ça a des groupes de soldats débraillés. La salauderie générale, faite de cuisses, de vomissements, de vin et de merde, a pris possession de l'armée française. Jeanne s'élance à grands pas. Elle ramasse une trique. Elle tape. Elle va terrible et pure, dans une colère formidable et gueulant de toute sa gorge. C'est une fuite nue de soudards et de garçons. L'orgie rentre sous terre comme un démon. Les dés disparaissent. L'alcool se change en eau. Les hommes remettent leurs jurements au fourreau. Rajustent leurs braguettes et leurs armes. De cette épaisse bande de brigands en chaleur, Jeanne fit une armée de saints. Dans ce tas de chair, elle introduisit la morale est Dieu. Puis Jeanne monte sur une tribune, faisait une causerie. Ils étaient le serment étonné de leur nombre et de leur gravité, immobiles sous le souffle de l'éloquence du vent. Puis ils se confessaient. Ah, ces confessions de vieux soudards! Que d'aveux formidables! Et comme leur poitrine charnue ruisselait de pillages, de viols, de vices et d'égorgements! Orléans! Le 27 avril, au cri de Orléans! Orléans! L'armée s'ébranla. Le 29 avril, vers les 10 heures du matin, on arriva en vue d'Orléans. Une émotion indescriptible régnait dans la ville. Une vague d'espoir et de folie submergeait choses et gens. 10 000 torches éclairaient la rue. Toute la foule pleurait par saccades et dans les instants de silence. On
femme qui déteste la guerre. Ouais, en principe, hein. Oui, en principe. Avant de répandre le sang, elle tente toutes les chances de paix. Elle écrit aux Anglais la fameuse lettre le mardi de la Semaine Sainte. Allez-vous-en, de par Dieu, en vos pays. Rendez à la Poucelle les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Sinon, il vous en cuira. Je suis chef de guerre et en quelque lieu que j'atteigne vos gens, en France, combat à mort. Je suis venue de par Dieu, corps, pour vous bouter hors de toute France. Écrit le mardi de la Semaine Sainte. Ah, le grand ton. Et comme il vous dilate le crâne, la poitrine et les reins, quelle allégresse dans la menace, quelle santé dans la belle fureur. Avant d'attaquer, Jeanne voulut réunir toutes ses ressources, toutes ses troupes. Elle comptait beaucoup sur l'enthousiasme, mais elle ne dédaignait pas les moyens pratiques, les forces matérielles. Elle inspectait les positions ennemies, seule, à cheval, autour des bastilles anglaises. Un jour, comme elle examinait les tournelles, elle interpella William Glacidas, commandant de la Bastille. Bonjour, monsieur Glacidas. Un bon conseil. N'obligez pas la Pucelle à vous détruire. Au nom de Dieu, foutez donc le camp. Hé, hey, toi là, va garder tes vaches là, sacrée fille, là. Putain. Cependant, les renforts arrivaient. Les préparatifs étaient terminés. C'est l'heure où la langue rentre au fourreau, où l'épée sort. Avant la nuit, la Bastille Saint-Loup était prise, ses défenseurs massacrés, ses décombres en flammes. Le 6 mai, on emporta d'assaut les Augustins. Le soir, debout sur les murailles de la Bastille, Jeanne se prit à contempler longuement les tournelles. Le seul ouvrage anglais restant au sud de la Loire. Par mon bâton, demain je prendrai cette place. L'assaut commença. Il faisait doux sur Orléans, comme sur un sein de femme. Une brise verte chargée de cerises, de cloches et d'eau parcourait le ciel à petits pas, comme une petite fille. L'air sentait la rose, la Loire et Ronsard. Entrez, enfants, tout est vôtre. Devant ce spectacle, le peuple d'Orléans, qui, de l'autre rive, suivait des yeux le combat, n'y tint plus. La foule s'élança, hommes, cherchant à fuir, se noie sous les yeux de Jeanne. La Pucelle, le regardant boire, lui crie en blaguant : Ha ! Glacidas, toi qui me traitas de putain, tous mes vos scartis putain, à la tienne ! En 3 jours, Orléans était dénigré. Petit portrait, en grossier. Si la chair de Jeanne est toute santé, son âme est toute passion. Elle respire, mange, veut, aime, est, avec emportement. Ne pas confondre avec la nervosité, qui est un empiétement de l'esprit sur le corps, une rupture d'équilibre. L'instinct de Jeanne se concilie ici avec les enseignements de l'art militaire moderne. Elle est elle-même la théorie vivante de l'offensive. De l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace. Elle disait: entrez hardiment parmi les Anglais! Et elle y entrait elle-même. Parfois, Jeanne montra une vraie cruauté. Elle était rigide jusqu'à la domination. C'est qu'elle n'a rien d'un fade cœur. C'est une âme forte, sans sensiblerie, l'épée à la main. Jeanne est naïve. La naïveté est une arme de grand calibre. De tout temps,
dans un monde livré à la combine, à la complication, à l'habileté, la simplicité l'emporte. Le comble de la manœuvre, c'est le coup franc, extrêmement simple, mais il fallait y penser. La suprême vertu de Jeanne, c'est son ignorance. Elle ne connaît pas la courbe, le cercle. Pour Jeanne, le plus court chemin d'un point à un autre, c'est la ligne droite. Elle est infaillible, comme un pigeon voyageur. Elle n'use pas de l'intelligence, elle a mieux l'instinct. Que mesdames et messieurs les intellectuels en prennent de la graine. Elle ne connaît rien de rien. Elle ne connaît pas l'art de la guerre. Je veux dire, le jeu de la guerre, la règle du jeu. Cette ignorance déroute l'adversaire. Elle triche par simplicité. Ah, une ignorance crasse, vous dis-je. Elle mériterait d'être mise au pain sec, la Jeanne. Elle boute les Anglais hors de France par erreur. Toutes ces victoires sont irrégulières. Jeanne est la première femme capitaine moderne. Elle fit du canon un usage remarquablement ingénieux, avisé, net. C'est un trait qu'elle a de commun avec Napoléon. Ce sont deux artilleurs. Avant de combattre, elle n'a pas oublié de préparer l'armée. C'est un fait essentiel, cette purification de l'armée. Jeanne a donné à ses troupes la discipline, principale force des armées. Avant d'être la victorieuse, Jeanne est l'organisatrice de la victoire. Le roi de cœur. La délivrance d'Orléans secoua la France comme un coup de tonnerre. Tous y virent une manifestation du ciel. L'archevêque de Reims disait des messes, des messes ! La délivrance d'Orléans, c'était le printemps. Le dauphin, ce petit jeune homme indolent, superstitieux, moche par surcroît, écarquillait les yeux devant la belle de victoire. Il écrivit à la pucelle. Jeanne en fut touchée. De plus en plus, elle se sentait responsable de cet enfant. Elle le revoyait jeune, mélancolique, un pli de joli malheur à la lèvre. Les voix en elle ne parlaient que de Reims. Le roi se fait à Reims ! Le roi se fait à Reims ! Jeanne partit rejoindre la cour à Tours et se jeta aux pieds du dauphin. Gentil dauphin, la pucelle vous supplie de venir prendre votre sacre à Reims. Charles le Faible, ému devant cette manifestation d'énergie et de beauté, lui prit les mains en tremblant. Jeanne, vous lève-toi. Puis, il s'agenouilla devant Jeanne, baisa longuement ses pieds avec un mélange de superstition et d'amour. Cependant, la cour hésitait à entreprendre cette difficile expédition de Reims et craignait de compromettre dans de nouveaux combats le prestige d'Orléans. La politique n'abandonnait pas ses droits. Si Armagnac murmurait « Ah !», Bretagne criait « Z !». Les femmes,
les belles poules à queue de soie n'auraient pas quitté la Loire pour un empire. C'est Reims, c'est Reims, c'est Reims qu'il nous faut. Elle logeait au palais. Elle se familiarisait avec cette cour astucieuse, étroite, une vraie cour de petite ville italienne. Un trou à puce, un sac à poison. Le roi lui-même traînait à la cour sa maîtresse. Jeanne se retourna vers le dauphin. Ils passaient des heures ensemble. La confiance de la pucelle attendrissait ce prince du cœur. Un mélange de respect, de sensualité se partageait son âme. Il avait conscience de la grandeur de cet enfant. Mais son cœur battait. Il devinait en elle le mystère de la pureté. Mais son cœur battait. Il se sentait humble devant Jeanne comme devant Dieu. Mais son cœur battait. Qui jamais empêcha un cœur de battre? Il parlait tout en considérant avec envie la belle fille de la nature, ses joues rouges comme le péché, ses prunelles larges comme le ciel, cette gorge faite pour les suprêmes lamentations de la chair. Tout ce corps éminemment apte aux grandes fonctions de l'amour. À son insu, Charles est amoureux d'une sainte. Il caressait les poignets de Jeanne, lentement. Sa voix était tendre, mélancolique. Ses yeux luisaient profondément. Et pour la première fois, Jeanne sentait un trouble mystérieux la gagner. Une gaieté inconnue fleurissait à ses yeux. Alors, c'est dans cette atmosphère de sortilège, Charles, dans une sorte d'inconscience formidable et comme poussé par les lois fatales, Charles, d'un geste brusque, porta les mains sur les seins de Jeanne. Ses seins étaient de ressort. D'un coup, Jeanne se dressa, surgissant, fraîche et nette, hors de l'envoûtement. Elle se frotta les yeux, secouait ses manches. La surpucelle dominait désormais le péché. Elle recula, jeta un regard sur Charles. Inerte, sans un mot, elle sortit. La tentation. Des embûches, des pièges de toutes parts, des galops de roi dans les veines, l'amour, l'amour, elle joint les poings, les mains, elle prie. Mon Dieu, mon Dieu, je vous aime comme un mort, sauve viande, comme une mirabelle doute. Mon Dieu, mon Dieu, je vous aime comme un mort, sauve. Se sent une folle envie de respirer l'air des Vosges. Retourner à Domrémy. Fuir à Domrémy. Ah. Tout à coup, sa décision est prise. Ses muscles sont nets, rigides. Elle va filer, en douce. Arrière, arrière.
c'est l'instant psychologique de l'hésitation, du doute. Sa mission, la France, Dieu. Comme elle est simple, la laisse en carafe. Elle est bien sale et soudain, elle fond en larmes. Elle pleure par toute sa peau, des hoquets, des tressaillements. Elle s'essuie les yeux, elle se mouche. C'est fini. Le bûcher l'emporte sur la prairie, Rouen sur Don Rémy. Elle entraîne ses fidèles compagnons. Laïc, le maréchal de Ray, et une petite bande de soudards pour délivrer les places de la Loire. La défaillance nerveuse a fait place à une activité, à une énergie, une passion incomparable. Le 11 juin, on entre en campagne. Elle vole à l'ennemi. Fussent-ils pendus au nu, nous les aurons. Jargeau est pris, 400 Anglais égorgés. Le 15 juin, on attaqua Main. Mais les Anglais, effrayés, adoptaient une nouvelle tactique. Ils abandonnèrent la place sans combat. Beaugency, Patay, Janville. Jeanne était déçue. Agacée, ses nerfs tendus à se rompre, se relâchèrent. Elle devint la proie de l'été. Jeanne s'assied à l'ombre d'un arbre. Près d'elle est étendu Gilles de Rais. Oh, quel joli garçon! À cette époque, monsieur Barbe-Bleue. Il dort, la bouche entrouverte vers le ciel, attendant quelques colombes mystiques. Ce jeune visage rose, nourri de candeur. Il est imberbe, pétri de grâce et de force. Il dort, morceau de merveille, assemblement d'atomes de soi, à main d'homme et de chair. Il dort, insensible, sous le soleil. Jeanne elle-même s'endort. Elle rêve. Elle rêve que le dauphin l'embrasse. Elle s'éveille. Brusquement. Jeanne éprouve un picotement dans la région du ventre. Pourquoi rêve-t-elle du dauphin? Est-ce qu'elle aime le dauphin? L'amour. Qu'est-ce que l'amour? C'est pour le dauphin qu'elle priait sous les tilleuls. C'est du dauphin que lui parlait Catherine et Marguerite. Jeanne est troublée. Honteuse sous la vaste clarté du ciel. Elle se sent lasse et molle. Elle a peur. Elle a peur de son corps. Elle se lève, saute à cheval. Les soldats s'éveillent en grognant. L'emprise du soleil est terrible sur ces hommes en proie à
Un cri de mort. Un cri rauque de soulagement charnel. S'échappe de toutes les poitrines. Ha 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 ha. Cette cohue en délire dégringole sur les Anglais. Jeanne, au premier rang, frappe dans une sorte de joie panique. Toute cette armée en chaleur se plonge avec délice dans un bain de sang. Ah. Ah. Oh!
la biche aux abois. Jeanne fut trouvée inanimée vers midi, sur la route à 20 km de Reims. Elle gisait dans la poussière, frappée d'insolation. On la ranima, la lava, on la ramena à Reims, lasse, malade. Charles vint la voir. Mais déjà la pucelle se reprend. Elle était d'avis de pousser des troupes au nord de Beauvais, à Soissons, en avant! Mais le roi, déjà, est là. Cette vie militaire ne vaut pas la vie libertine. Chevaucher, prendre des cités, c'est embêtant. Les camps, les marches dans la Marne, les conseils de guerre. Non ! Le roi Charles est le roi de la loi. La cour est digne du roi. Elle redoute Jeanne. Le salut de la France. Bof. La guerre engloutit les trésors. L'argent n'a pas de patrie. On intrigue, on complote. Un beau matin, outrée de tant de manigances, Jeanne quitte l'armée avec ses partisans. Elle pique droit sur Paris. Seul un grand coup comme la prise de Paris peut la sauver. Tous. L'anglais est une affaire facile. Le plus dur, c'est de vaincre Charles. La faiblesse, l'inertie, la lâcheté, la traîtrise de Charles. Le 26 août, Jeanne est devant Paris. Par Montmartre, j'aurai cette carte de ville. Elle dresse une échelle, monte la première. Soudain, une flèche l'atteint à la cuisse. Elle tombe. On l'emmène. Adieu, Paris. Désormais, Jeanne est aigrie, abattue à mort. Elle sent que depuis Reims, sa mission est terminée. Elle se sent abandonnée du ciel et de la terre. Jeanne rejoint la cour, mais n'a plus aucun crédit au conseil royal. On la tient à l'écart comme une orange sucée. Elle devient colérique. À Cariat. Cruel. Frappe ses gens. Outrage ses ennemis. Elle passe par des crises brusques de violence et d'abattement. Jeanne la divine, en ces instants, est la proie d'une sorte de démon. Elle poursuit, l'épée dans les reins, un groupe de femmes galantes. Elle frappe si fort que l'épée de Sainte-Catherine, se casse entre ses mains. Soudain, sans transition, elle se met à terre, se roule dans ses larmes, se déchire le visage et le cœur. Elle rêve de potence, de bûcher. Elle s'éveille en sursaut, en nage, fétide. En 2 mois, elle maigrit de 7 kilos. La vue du roi la remplit de terreur. Elle songe à cette seconde de pelotage royal. Elle éprouve de grands besoins d'eau, se livre à des lavages infinis dans l'Yèvre pour s'y blanchir corps et âme. Un beau jour, le vent tourne. Fini la défaillance. Jeanne s'échappe de la cour, galope toute la nuit, dans une fureur sacrée. Elle se jette sur Lagny-sur-Marne. Franquet d'Arras, partisan des Anglais, l'y assiège. Elle se bat et l'égorge avec délice. Ah ! De nouveau cette odeur de sang ! Bravo, Martin ! Je vais voir le conseil de Compiègne ! On
la bouscule. Jeanne est en avant, loin des siens. L'ennemi reprend courage, revient en force. Elle recule. Elle arrive au rempart, au pont. Le pont se soulève sous l'ordre du gouverneur Flavie, le plus fourbe, le plus lâche ennemi de la pucelle. Jeanne reste seule au milieu de ses ennemis. Lalalie ! Lalalie ! Elle frappe de toutes parts. Soudain, par derrière, un colosse, Red Orme, qui bien être l'empoigne par les jambes, la tire à bas de son cheval. Balancement d'une âme. Jeanne d'Arc, prisonnière. Le bonheur. Le duc de Bourgogne vint la voir en personne. Tous s'émerveillaient de ce foudre de guerre, de ce démon qui n'était en somme qu'une jeune fille de 18 ans. À Beaurevoir, Jeanne était enfermée dans un donjon de 20 mètres. Deux archers rapidement. La pucelle fut achetée. 10 000 francs. Autant ? Dit Cochon. Qu'on donnerait pour un roi ou un prince. Ah, monseigneur Cochon. Le voilà donc, ce fameux Cochon, dont le nom seul est une magnifique trouvaille du destin. Le voilà ! Le voilà, l'évêque à l'âme d'âne, le porc de l'histoire. Ah, il était famélique, ingrat, âpre, d'un orgueil de chèvre. Il menait une vie de pauvre bougre, c'est une succession d'orgueil et de dégringolades. Maître de l'université de Paris. Puis chassé de Paris. Ouais. Évêque de Beauvais. Puis chassé de Beauvais. Le congédiement est son lot, il y a du valet dans ce cochon. Le marché fut conclu fin octobre. Elle est conduite à Rouen. Durant tout le voyage, sa résignation, son calme sont extrêmes. Elle voyageait dans un cabriolet traîné par une petite mule grise sous l'escorte de 15 hommes d'armes. On allait sans hâte, tantôt au trot, tantôt au pas. On allait à travers des paysages d'hiver et de nord, sous un ciel de cendres et de brouillard. On traversa la Somme sur une barque. Il faisait un froid clair, calme. Les nuages étaient en givre. Jeanne imaginait sa vie toute pareille à cette eau, désormais abandonnée à l'écoulement. Archevêque de Rouen. Elle avait été jetée dans un des plus sombres cachots du château de Rouen. Un jour chauve, il parvenait à peine, par un soupirail. Cela puait l'urine, l'acide carbonique et la putréfaction. Parfois, une chauve-souris, les ailes gluantes, traversait la salle d'un trait, en diagonale. Toute l'échelle des rongeurs était là, à côté des rats, la vermine. Ce sol meuble, cette paille pourrie la favorisait. La pucelle était infestée de poux.
Elle était gardée par 5 soldats anglais, choisis parmi les redoutables houspilleurs. On creusa dans le mur des fentes, des œillères, afin de pouvoir la surveiller de toutes parts. Le 21 février, la pucelle comparut pour la première fois devant le tribunal. Cochon présidait, la crosse au poing. Autour de lui, 42 assesseurs, hommes de science et de loi, parmi lesquels 20 docteurs en théologie. Accusé ! Levez-vous ! Votre nom ? Au village, on m'appelle Jeannette. En France, Jeanne. Que vous disent vos voix ? Que je sois gaie et hardie. C'est avec ces deux armes que Jeanne a gagné des batailles. C'est avec ses deux armes qu'elle trouble la science et ses juges, qu'elle jette le désarroi dans leur fine combinaison. Gaie, Jeanne avait du mérite de l'être. On la privait de messe, de confession. Sous prétexte d'éclaircir le point de sa chasteté, on lui dépêcha des matrones chargées de visiter sa chair. Avant de brûler la pucelle, il fallait la violer. Les milords s'y mirent. La pucelle révéla qu'on l'avait battue et déchoulée, et qu'un milord d'Angleterre l'avait forcée. Jeanne se désagrégeait. On traquait sa conscience. On lui montrait l'enfer. Il me semble que je suis en grand péril. Elle tomba malade, et le jour de Pâques, elle délirait. 500 cloches dans Rouen sonnaient à toute volée. Seule, elle sursautait. En proie à la fièvre, elle répétait « les cloches, vive les cloches !» L'anglais s'alarma. Il ne fallait pas que la mort vînt ravir la vengeance anglaise. On la soigna, l'engraissa pour mieux la faire rôtir. Dès qu'elle fut sur pied et encore chancelante, on lui appliqua la question. Il était essentiel pour l'Angleterre que Jeanne confessât la fausseté de ses voix. Il était essentiel qu'elle fût sorcière. À travers elle, c'était la condamnation de Charles VII, la condamnation de la France. Le reste, le bûcher, c'était accessoire, ça allait de soi. On l'amena dans la salle de torture. On lui mit le brodequin. On la lia au chevalet. En vain. Il fallait frapper un grand coup. Elle ne résisterait pas au charme terrible de l'admonestation. Cette scène théâtrale eut lieu le 24 mai au cimetière Saint-Ouen de Rouen. Deux échafauds de velours rouge se dressaient. Sur l'un, le tribunal au grand complet. D'un côté, Cochon, le prince cardinal de Winchester, la foule des assesseurs en robe écarlate et calotte de sang. L'autre échafaud était vide. Jeanne gravit lentement l'estrade au milieu de ses gardes. Elle s'assit sur son échafaud à droite. Le prédicateur chargé de l'admonestation à gauche. Debout, le bourreau sur sa sale charrette. Le prédicateur frère Erard commençait son discours. Il admonestait, menaçait, suppliait, insultait, ricanait, à force d'éclats et de gestes. Il montra le bourreau à sa gauche, et soudain, il se jeta à genoux, les mains jointes, presque en pleurs, et criait « Jeanne ! Jeanne ! J'ai pitié de toi !» Terrible comédie de passion. Par intervalles, le tribunal reprenait en chœur sur un ton grégorien. Jeanne, abjure, 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 abjure.
s'arrachait les cheveux, la bouche tordue, l'âne en feu. Tu seras brûlé! Tu seras brûlé! Et Jeanne, exsangue et folle, abjura. J'abjure. Le bûcher se dressait sur la place du vieux marché de Rouen, le marché aux poissons. Il était 8h du matin. L'air sentait la pomme, la barque, le sel. La foule arrivait de toutes parts. À 9h précise, un fourgon amena la pucelle. Jeanne, en chemise et jupon de femme, les pieds nus, descendit du fourgon. Le bourreau enroulait des cordes. Les soldats allaient et venaient, riant en silence. Les moineaux pépiaient au ciel d'eux-mêmes. Cochon, assis au premier rang. Puis, sur un signe, le bourreau empoigna la pucelle. Au sommet du bûcher, Jeanne remarqua à ses fleurs une fleur de liseron. Elle eut pitié de cette fleur. Elle se baissa, la baisa, puis la tendant au bourreau. Sauvez-la! Sauvez-la! L'homme, en rigolant, l'épingla à son pourpoint. Puis, il se mit à lier Jeanne au poteau, sifflotant, serrant les cordes. Ah! Ah! Enfin, suspendit à sa poitrine une grande pancarte. Jeanne, qui s'est fait nommer la pucelle, menteresse, pernicieuse, abuseresse de peuple, devineresse, superstitieuse, blasphémeresse de Dieu, présomptueuse, malcréant de la foi de Jésus-Christ, venteresse, idolâtre, cruelle, dissolue, invocateresse de diable, apostate, schismatique, hérétique et... Relâche ! Du haut du bûcher, Jeanne considérait le spectacle de cette foule vivante et fourmillante. Elle regardait cette ville, ses 1000 églises gothiques chargées de dentelles, ses joyaux d'art et d'humanité. C'était vraiment un beau jour de mai. Un moineau insolent et frisé vint se percher sur la tête de Jeanne. Et Jeanne souriait, heureuse d'un oiseau. Et ce fut alors que le bourreau mit le feu. Prise de terreur, elle criait « Rouen, Rouen, seras-tu ma dernière demeure ? Hélas, hélas !» Faut-il donc que mon corps entier, mon corps de vierge, soit réduit en cendres ? Oui, oui, mes voix étaient de
Soudain, les premières langues de feu vinrent lécher les pieds de Jeanne. Ce premier contact avec le feu, moitié chatouille, moitié brûlure, lui fit dresser les cheveux d'épouvante. Les langues de feu, de plus en plus longues, de plus en plus nombreuses, de plus en plus voraces, rôdaient maintenant autour d'elle, sournoises comme un tigre fait le tour d'une chèvre avant de l'étrangler. Des flamèches sautaient sur son visage, ses pieds rôtissaient. Une épouvantable odeur de roussi humain, prit Jeanne à la gorge. Déjà, son jupon était en flammes. La pancarte, ficelle en feu, tomba dans le brasier. Sa chemise brûlait jusqu'aux genoux. Soudain, Jeanne aperçut ses genoux en feu. Ses genoux nus, nus devant 10 000 hommes. Alors le véritable supplice commença. Oublions le feu, la souffrance, la mort. Jeanne ne songe qu'à la pudeur, à sa pudeur de vierge. Elle a peur de ce feu qui la dénude. Une flamèche tombe sur sa gorge. Le sein surgit. Son beau sein, de grande fille de la terre. Hé, hey, les bonichons! Cette foule. Cette foule, cette sale foule, l'orgue avec des yeux cochons, le dénuement de cette vierge. Une étincelle enflamme ses cheveux. Cette haute masse flambe magnifiquement, puis s'écroule sur ses oreilles, sur ses épaules. Des cendres roussies choient le long de sa poitrine. Le second sein est à nu. Tous les vieillards à la ronde se repaissent de ses mamelles roses piquées de brûlures noires. Jeanne s'affole. Ses yeux chavirent, vides dans ses cils brûlés. Quoi ? Quoi ? Elle est nue devant 10 000 hommes ! D'un effort suprême, elle rompt les liens de ses bras et ma libre, ah ! De ses mains grillées. Rougie de sang et de feu, elle lutte maintenant contre les flammes. Non, elle lutte contre sa nudité. Elle ramène un bout de chemise sur ses jambes, plaque des brins de cordage sur sa poitrine. Mais la flamme lui dispute l'étoffe. Pan à pan, fil à fil. Sans cesse, elle se couvre de débris d'étoffe, de flamèches noires. À mesure, la flamme engouffre tout. Peu à peu, elle perd ses forces, ses sens. Les pieds brûlent, les seins brûlent. Cette blanche vierge n'est plus qu'une torche noire. Elle répète : Jésus, Marie, mon Dieu, mon Dieu ! À ce
ce moment, la corde qui la liait au poteau calciné tombe en cendres. Jeanne chancela, comme ivre, sorte de bacchante en charbon, nue et sans peau, toute plaquée de suçons infernaux. Dans une farouche détente de ses nerfs, elle étendit les bras en une terrible rigidité. Un instant, elle se tint ainsi, formidablement instable. Puis, elle s'écroula dans le brasier. Sur la place, une sorte de panique s'emparait du peuple. Les assesseurs décampaient à toutes jambes. Les oiseaux s'étaient tus. Un prodigieux silence régnait sur cette populace. Un silence d'enfer. 10 000 hommes pleuraient. Cochon lui-même tira son mouchoir de sa poche. Mais pas une larme ne voulut de lui. Le bourreau, en remuant les cendres du bûcher, découvrit le cœur de Jeanne, encore intact. Il attisa la braise, il jeta ce cœur. En vain. Le cœur de Jeanne est incombustible. Il s'acharnait l'arrosé d'huile, de soufre, en vain. Ce cœur restait frais et rose. Affolé, le bourreau, en courant, alla le jeter à la Seine. La foule s'en allait, soufflante à longues enjambées. On fuyait ce lieu honteux. Les moines s'éloignaient en faisant le signe de croix. Le cardinal d'Angleterre déguerpissait à cheval en criant rouge à travers la ville. Nous sommes tous foutus!